Sous Alter Radio, l'IFE. C'était. Simbilo. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain, ça belle. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant qu'environnement, environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, ah oui, pour nous travailler pour nous. Émission pour demain Kabel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Toutes amis auditrices, auditeurs Alter Radio, fanatiques, émission pour demain Kabel, salutations pour nous toutes et puis nous souhaitons nous en pile la vie. Nous saluons Étienne, nous saluons Mackenzie qui est ensemble avec nous là. Nous saluons Colette, nous saluons Mackenzie, nous saluons toutes auditeurs auditrices Alter Radio. Yo. Et spécialement auditeurs auditrices pour demain Kabelio. Nous saluons tout Colette, en particulier tout le monde qui a vivre en dehors de Port-au-Prince qui a salué, que ce soit monde qui déplacé, que ce soit monde là au tab vive. Nous saluons tout le monde en dehors de capitale là. Oui, mais nous parlons au monde en dehors. Nous y a vu en dehors de capitale là, c'est vrai, et nous rend nous compte comment ça nous les provinciaux. Oui. Yo important pour nous parce que là au capitale là pas bon pour Jean Port-au-Prince y est là, et ben c'est province là, oui. Et ça moun yo konn rele nan peyi m nan. Lè ap vin Port-au-Prince, c'est lui même qui permet nou sey de moun al pran ti souf. Même si baga la vin du pi du pou moun nan province yo. Et c'est pour ça journée jodi a nan pou demain Kabel, c'est de question ça nou pral parler. Pou demain Kabel. Belle. Comment moun yo ye en province, moun kal réfugié yo en province? Nous pral faire ça avec un jeune agriculteur. C'est un monde qui était à Port-au-Prince, il retourne la caille. Et c'est Paul Edex. Edex. Il passe une émission déjà, oui. Oui, il passe une émission plusieurs fois avec Paul Edex qui lance cri d'alarme parce que nous devons prendre au sérieux que société a et pourquoi pas autorité au pire au niveau de prendre au sérieux collègue. Donc nous pral l'état le consenti mosso dans un cri, il était lancé les gars de ça qui a passé. Et puis après ça, on a fait réflexion ensemble avec lui sur comment la situation pays par rapport à eux-mêmes qui est en province. Oui, fuck demain, belle. Alter Radio. Pour demain, Kabel. Nous l'autre fois encore, nous saluons nous toutes. Et puis, nous disons, nous allons regarder comment ça va passer dans Port-au-Prince avec groupe armé, avec machin qui n'a pas déplacé, marchandises qui n'a pas circulé, paysans et tout, et qui victimes quelque côté, qui conséquence ça a gagné. Alors, Paul Edex, c'est un citoyen haïtien, un jeune qui finit dans l'université dans le Cap, mais qui retourne à travailler la terre, ensemble avec parents.
c'est lui-même qui était lancé dans le mois de mars là un cri pour dire mes amis, n'oubliez profession, n'oubliez ça qui a passé nous et qui côté nous pour aller avec pays. N'a fait un petit résumé pour nous sur ça te dit. Là nous considérer tout le monde qui a fait effort dans pays a tombé plat à terre dans grand goût parce que question kidnapping là tourner un espace pour mettre monde dans misère. Là nous considérer depuis ces petits marchands qui qu'on collé derrière machine pour aller acheter la aller chercher la vie dans grand ville yo, yo trouvé yo dans une misère et côté y a manger poussière terre. Là nous considérer jeune fille avec jeune garçon a courir quitter pays a pour grand goût chômage pendant y a prend humiliation dans toute frontière yo. Là nous considérer paysan qui kon travaille terre pas capable encore parce que bandi tabli koyo dans toute zone qui kon produit manger déchoucage terre y a fait déchoucage terre dans tout coin mélangé avec changement climatique là tout qui vin yon l'autre catastrophe ça vin faire nous dévaster. Là nous considérer l'école fermée tout petit moun la gen la ri sans manger sans loisir sans secou pour ne citer ça seulement n'a mandé acteurs dans l'état yo acteurs dans communauté internationale tout groupe yo est-ce que nous songe moun yo vrai moun ki malade moun ki nan l'âge ki pa ka travail encore est-ce que nous songe moun ki pa ka vivre si yo pa mette un sac nan tête yo pour aller chercher la vie meilleur est-ce que nous songe ti moun yo yo besoin aller l'école yo ou te di se jodi a nou wè jan discrimination en fort parce que avec hélicoptère kap marcher prend moun nan bourgeoisie à tout côté yo ye tout ambassade kap voye chercher personnel moun pa yo pour ba yo sécurité et puis nous-mêmes kounye a toute quantité moun yo ki te kayo depuis plusieurs années eh bien messieurs dames an passe men an genou an chercher solution an mette men pour répondre à besoin nous parce que li jou pour nous wè edmi barre nous. C'est un texte Colette de Paul Edex. Paul Edex qui que nous avons plaisir pour nous recevoir dans l'émission, hein? Son habitué dans l'émission, hein? Donc n'a passé Paul Edex qui avec nous Colette dans téléphone. Donc n'a salué Paul Edex et n'a quitté le présenter tête li pour auditeur auditrice émission pour demain cabelle. Moi c'est mon Victoire qui fait un commune dans le département Nord, mais qui est très limité avec le département Nord-Est, avec mon Cochil, avec plateau central de Cacavajal, et puis très pour très, notre Acadie, c'est une zone qui est limitée, fait frontière entre trois départements, Nord, Nord-Est et plateau central. Donc, moi, je travaille pour CFEDEC, qui fait centre de formation pour l'entraînement et le développement communautaire. Mais moi, c'est un jeune dans la communauté qui est intégré. Travail, développement durable, surtout dans la question agriculture, ça fait presque une quinzaine d'années dans la commune La Victoire avec environ Lyon. Paul Edex, pour qui sont écrits notre ça, surtout l'aspect manger qui t'a attiré l'attention avec la question changement climatique et puis misère paysan, madame Sarah passé, elle a fin travail ou bien chercher la vie et puis elle n'est pas capable de joindre résultat travail. Normalement, j'ai écrit une note, c'est après un peu le constat qu'il fait, et puis un peu le visite, terrain fait, et puis un peu le chit à parler avec les collègues, disciples, dans la production agricole, c'est aussi là, qui n'a pas dit, pas qu'on écrit, qui a travaillé. Et nous avons fait un peu le parler, et ça a poussé à m'écrire une note comme ça. Mais moi-même, je pense que ça, c'est pour, réel, ça, c'est pour lui tomber d'aplomb dans les oreilles. Chaque grand monde qui vit dans la capitale là. Parce que, en réalité, nous constatons et nous connaissons depuis avant, parents nous ont expliqué nous et nous vivons là. Et comme élèves, étudiants qui ont quitté la caille en province ou à l'école, la ville, généralement, ça explique nous, chaque manger toujours à sortir dans la province yo, pour venir nous joindre. Jeunes qui a étudié dans niveau Port-au-Prince, c'est l'école dans niveau au Cap. C'est comme ça, ça payait parents qui ont toujours travaillé pour voyer manger, aller bailler, timounio, dans ma ville, yo. Et non seulement ça, c'est jardin, yo, c'est production, yo, qui compte payer l'école, yo, tout. C'est bien pile monde
qui pas gagne job l'état, qui pas gagne nomination, qui pas travaille dans ONG, qui pas travaille dans chaîne côté, c'est des productions à vivre, des élevages là à vivre et là eux vivre des commerces, commerce là qui commerce c'est vendre produits alimentaires ou bien denrées qui produit dans jardin ou c'est vendre d'accord vendre maïs, cambe, banane, tout bagage là. Yo prend yo des provinciaux ou bien des rurales pour porter au Port-au-Prince pour faire l'argent pour payer l'université à Port-au-Prince pour payer l'université à Cap, mais en même temps yo tourne à manger pour tout le monde qui est là et du tout avec l'argent pour payer l'école pour tout le monde qui est en province. Mais je dis à ça fait bon année depuis mon grand monde yo compte faire ça comme ça, et puis je dis à fait même petit yo qui était jouer une chance côté te vendre toute production, tout ça te produit dans le jardin, pour te payer l'université pour nous, dans la ville, pour dire qui te prend chaque manger, mettez des machines pour voir ça. Et même si vous avez un niveau qui mettez dans la situation, et ça, l'État me touche l'État. L'État n'a pas gagné l'autre monde là-dedans, c'est petit, c'est paysan malheureux, tout. Là-dedans, il y a plein de gens qui n'ont pas de décision dans le niveau de l'État. Donc, c'est dans ce sens-là, nous tirer à la MSA pour demander des décisions pour les web. Donc, je prends par exemple, papa m'a 84 ans depuis la vie dans la communauté. Il n'a jamais nommé dans l'État, il n'a jamais travaillé un jour comme employé. Mais c'est l'emploi, c'est la production. Et je dis, il n'a pas travaillé encore, il était dans la communauté. Et, mais il toujours fait jardin avec moi qui collabore avec lui. Nous faisons jardin, nous toujours voulons vendre n'importe quoi. Mais je vous dis, ça nous produit, nous restons dans la communauté, nous ne pouvons pas ni vendre ni manger. Et c'est un échange commercial qui nous permet de nous vivre. Et ni payer l'école, ni tout ça n'a fait, c'est un échange ça, qui était toujours possible. Mais je dis, nous avons un gang armé qui bloquait toute rentrée et capital là, qui limitait le transport. Et bien, nous pas pris côté dans le pays, tout dans le cas où nous gaspillé et après été pourri la caille. Et puis, reste mon yon pas qu'à vivre tout yon même dans la communauté, parce que yon pas qu'à yon pas échange, yon pas qu'à dire là, yon pas touché, mais yon, parce que yon va te gagner un job, yon va te gagner une nomination. L'autre aspect dans le cas la moyen, c'est ça qui vient pour yon avec, ça qui vient pour yon avec changement climatique. Autrefois, t'es un bon quand tu des monde qui t'es n'importe où, presque qui t'a vivre. Mais depuis avant la mort du président Jovenel, il y a une manifestation, il y a une grève qui poussait les gens qui étaient dans la zone Port-au-Prince pour retourner dans le milieu rural. Et les gens qui étaient construits à Port-au-Prince, qui étaient déjà habités à Port-au-Prince, et les gens qui étaient tournés dans la communauté, après ils étaient suivis en kidnapping, ils étaient obligés de vendre tout ça pour posséder. Et les gens là qui étaient en province obligés de vendre tout ça pour posséder. Et les gens qui tournaient, ils ont mangé terre. Et dans la communauté. Et ça me dit à ce niveau-là, c'est vrai, il y a des zones où ils viennent dans le milieu rural, c'est mon vraiment, vraiment, vraiment dans l'impossibilité de vivre. Parce que nous pas gagné l'argent pour acheter et changement climatique, là, c'est un gros impact dans la vie, mon yo. Dans l'armée, ça, parce que là, il n'y a pas tombé du tout, il y a un paquet de côté qui n'a pas bien mangé. Eh bien, si ça qui gagne, il y a un gâté, pas gagné change qui a fait. Et nous avons dit en général, depuis pas de échange de une zone à une zone, dans sa gagne pour produit agricole, et bien c'est ce qui a raté dans manger dans la communauté. Tel par exemple, les zones qui sont fâchées au produit, c'est maïs au produit, c'est manioc au produit. Mais il y a l'autre zone, c'est banane au produit, c'est poire au produit. Et bien, c'est échange ça qui permet de faciliter nous vivre dans la communauté. Là. Mais nous vraiment inquiétés et nous totalement inquiétés dans des situations ça c'est tout avec kidnapping non avec question bloquée là où il y a avec des petits marchands n'ont pas monté dans ville même dit tout pour côté dans Rio parce que camion pas voyager et si un camion qui fait expérience voyager et bien yo obligé et on somme comme pour yo entrer et gena yo qui victime. Tel par exemple, à Massabiel, yon nan zone nan commune Limbé, gen de toi madame Sarah, qui te gen tout ça qui yon de tête yo, en machine, yo kidnappé yo, gen yon nan yo qui pa gen téléphone de yo de la Kali, yo obligé assassiner. C'est un crime contre l'humanité, le fait que nan un pays,
moun yo déjà malheureux parce que c'est très à travail. C'est stress à battre. Et changement climatique à battre. Cyclone passé pendant plusieurs fois dans 10 dernières années, ça y est. Ça veut dire caduque production agricole là. Et journée aujourd'hui, si ça qui fait la PAC a gagné, change la donne avec gang armé et kidnapping, tout, tribord babo, et c'est ça qui nous tire à l'âme ça, bon côté autorité pour prendre des décisions pour répondre avec besoin fondamental, moun yo dans le milieu rural. Me senti cria et Polydex, hein, ou même comme agriculteur, comme monde vraiment. Et qui très attaché à la terre. Gen moun ki di bon bagay la c'est n'importe au prince lié à quelques zones province mais en pile côté tant qu'au nord-est, nord-ouest, au cap et moun y a fonctionné ti moun y a l'école mais j'en parle à là nous très très affecté tout nous même qui en province et pas ça qu'a passé et n'importe au prince là. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Paul Edex, un jeune agriculteur, c'est un monde qui était à Port-au-Prince, il retourne la Kaili. Il a parlé de un pile monde qui a pris refuge, qui déplacé qui allait dans le sud, même pas attendre au palais vraiment presque de pour zone nord, nord-est, mais où dit qu'un monde qui déplacé. Au cap là, dans nord, tout au cap là saturé. Moun yo en pile moun, plateau central là inche saturé. Tout milieu rural, tant que la caille moins la victoire presque tout monde. Bon moi même personnellement, moi gagne la caille moins nous vivre presque nous 12 monde dans un seul caille. Parce que tout le monde c'est des monde qui perdit caille au Port-au-Prince, c'est madame moi qui perdit caille au Port-au-Prince et yo tout yo débarqué et c'est pas seulement dans caille privée maintenant, la caille moins personnelle, mais dans toute zone là, nous gagnons bon monde qui était habité Port-au-Prince et généralement si nous pas qu'à 10 zones pas affectées parce que c'est pas de université de pas de déjà gagne université dans zone yo dans milieu rural yo pas de gagne banque pas de gagne services sociaux de base yo tout le monde qui est obligé de déplacer pour aller rester dans Port-au-Prince et qu'on y a sacrifié Port-au-Prince là tout le monde obligé de débarquer tourner dans zone la caille yo moun yo ki moun nord pas jam débarquer pour aller dans sud moun yo ki moun plateau central pas jam vin nan nord y a tourner la caille yo ça veut dire exode ça qui fait de Port-au-Prince à ville province c'est pas seulement dans sud mais c'est tout côté si tout moun yo ki wè donc a dire de quelques grand moun qui te joine chance pour partir dans pays étranger mais tout moun qui retourner la caille yo tourner directement ça veut dire nous nan nord nous nan plateau central là nous affecté grandement de dégradation ça qui fait Port-au-Prince tout le monde donne la caille nous même dans bureau nous c'est chaque jour nous après recevoir monde et me te dit ça dans interview me te fait gien un pile monde dans milieu rural là qui c'était un honte pour yo si yo demander un monde et prêter yon on sans goud ou bien il m'a dit un monde prêter des goud de pitimi ou bien des goud de poids pour bail yo mais jodi a gien des monde qui pas jam kon rive nan niveau dette obligé à marcher prêter pour yo vivre ça dit situation chaotique là li affecté communauté là nous même nan bio nous obligé nous pas gien aide humanitaire pour bail tant cou ça fait nan Port-au-Prince yo bail manger mais nous même Timay, petit minute gagne. C'est première année depuis 2016, nous pas gon graine petit qui était dans dépôt nous.
nous pas gont grain maïs qui était dans dépôt nous obligé séparer tout mais surtout moun ça qui moun nous baili c'est moun qui quitté Port-au-Prince qui vient dans zone là nous yo parler avec nous pas gont l'autre bagage nous baio nous dit si nous gain quelques mamites poids quelques mamites maïs quelques mamites vitimi si nous besoin nous baili poids et mais ça fait nous pas gagné c'est en pile moun qui dans situation difficile dans milieu rural qui tourne la victoire dans toute nos amis en général et nord de ça et bagarre là vraiment difficile surtout à ça changement climatique là ça c'est sécheresse là et frappé très fort pas gagné monde qui était faire récolte si ça ouvert pas qu'à répondre à besoin quand le monde qui vivre dans caille moi connais dans la victoire des familles qui gagnent 12 monde des familles qui gagnent 11 monde gagnent 10 gagnent tout monde retourner la caille moi même personnellement la caille moi n'a vu 12 monde et nous tous ces des monde qui payent à vivre Port-au-Prince qui vini nous obligé coincer un seul côté pour nous vivre. Paul Edec c'est moi connais nous te qu'on fait effort dans ces FEDEC pour nous gagner semences pour nous ramasser graines dans période récolte pour nous capable planter les saisons et plantation ça veut dire toutes semences ça yo nous pratiquement manger on obligé ba moun yo pour manger. Comment nous pral faire? N'a célébrer dans jour ça yo journée qui montrer que terre capable c'est terre capable nourrir nous. Bon mais bon paquet moun là qui besoin nourrir qui a choué la bon la caille nous. Est-ce que ça c'est pas une opportunité tout pour moun yo capable retourner dans la terre pour nous planter? Oui, moi même pense que c'est ça et c'est promotion ça moi même m'a fait en tant qu'un jeune universitaire. Et t'as qu'à dire sincèrement si on pas regret lorsque on était sorti dans l'université on était tourné travailler et on était tourné accompagner papa avec maman dans la production c'est vrai parce que malgré crise malgré situation difficile pour Port-au-Prince non c'est moi même personnellement je suis capable d'aller dans le jardin pour me faire un bagage pour manger et qui toujours fait que je suis content parce que je suis un bagage pour manger et pour me partager avec l'autre monde qui m'en côté et nous pensons que il y en a bagaille pendant nous à célébrer journée nationale internationale ou nationale de question terre internationale terre qui yo dit terre nourricière ça veut dire terre qui nourrit nous qui c'est terre qui nourrit nous oui c'est ça parce que si chaque monde si l'état pays a te investi même un pourcentage même 10% na production agricole là ça n'a pas fini là non pas pas fini li. Mais et on t'a qu'a dit oui nous care li c'est force nous li c'est appui nous par exemple moi même pour année ça go devant la caille moi planter me capable une photo on pied maïs on dit il y a des maïs et que nous joignent maïs 3 mois nous joignent maïs 3 mois nous joignent pois planète 3 mois nous joignent pois noir et 6 mois à 1 an nous jeune manioc banane 1 an nous jeune banane et en pile monde qui tourne dans zone yo nous même nous pas gagne nous pas gagne diri qui continue na FAO ni na FAES ni na BND mais nous même dans organisation nous jeune maïs nous jeune pitchimi pour nous faire moun yo et donc pour capable subsister mais c'est na terre yo sorti nous si l'état pays a si institution yo voyons regard vers production agricole là nous certain que nous capable résoudre les problème n'a pas résoudre si pendant yon aide zoti n'a pays étranger pays qui voye manger du riz pour l'autre bagage parce que c'est domaine autonome c'est domaine très proche nous des plus bonnes terres que Saint-Domingue et chaque pied banane qui pousse dans terre pas nous yo ca répondre avec une famille manger pendant 2-3 jours et c'est de même fait gros exploit dans production et nous-mêmes nous pas gain aucun instance dans l'état pays nous qui a investi dans production tandis que tant qu'on dans zone nord de ça là gain canal là dans Wanamet proche de nous gain une rivière qui a gagné et gain dans Saint-Raphaël par exemple qui gain en pile légumes parce que Saint-Raphaël pendant plusieurs fois nous fait jardin dans Saint-Raphaël c'est le problème qui vient il n'y a pas de possibilité pour transporter au Port-au-Prince il y a des vols les machines manger mais c'est des zones qui répondent avec des besoins et nous avons dit ça nous besoin dans l'État c'est pas négocier avec Joe Biden ou bien États-Unis pour faire quitter pays aller dans États-Unis là où c'est travailler pour travailler
c'est pas bayo et pousser pour quitter pays pour aller Chili, Brésil, pour aller Saint-Domingue. C'est pas handicaper nan parc industriel pour faire rad, mais c'est créer des espaces côté moun yo ka produire, faire jardin, des programmes qui ka aider et pour nous répondre avec besoin. Nous capable faire environ 10 années d'expérience et c'est vrai. Et c'est vrai, et me témoigner c'est des expériences qui sont vraies, si nous investissons, si les jeunes sont dans l'université, nous encadrer, nous travaillons, nous investissons dans la production, nous certains que la solution à chercher est possible. C'est possible, sans nous pas besoin d'aller dans l'autre pays pour chercher une solution, la solution est là. Si nous manquons, depuis avant que je connaisse, dans le livre d'étudier, je fais expérience avec papa, je fais expérience qu'on y a, agriculture, c'est force nous. Si nous mettons là-dedans, nous allons sortir dans la nouvelle. Merci en pile pour les Dex et pour de Mekabel, tu voulais vraiment reloi pour lui faire tout en pile mon temps d'elle, mais espérer autant d'elle. Mais on l'autre là n'a parlé d'expérience que jeune, tant qu'ou même qui sortit dans l'université a fait dans la zone nord et nord-est là. Merci en pile. À la prochaine. Abdi, merci pour de Mekabel. Belle expérience. Après me fin tande Paul Edex, m'gen pile inquiétude lui sou lancement ou bien réussite campagne printemps. Moi pense fort paysan yo k'ap fè effort tan kou Paul Edex ta joine un concours parce que j'en l'explique ya avec paquet moun ki rive la kayo et ki déplacé ki te Port-au-Prince vini fò ba ou manger donc manger semence yo. Ça son gros problème et nous pa tande kontande rien sou coup de main qu'a bail paysan yo pour capable continuer travailler la terre même le Port-au-Prince pas bon. Oui, parce que nous même n'en pas d'aide, nous va lancer des SOS pour nous garder comment capable aider moun yo parce que yo manger semence yo dans place distribution qu'a fait faut garder comment ca sauver campagne printemps et si ne pas sauver campagne printemps collecte nous va attendre CNSA qui va dire nous il y a 7 millions 8 millions moun qui dans situation insécurité alimentaire chronique. Donc nous même comme avant-gardiste pour éviter ça fait. Donc, nous allons regarder comment nous sommes capables d'essayer avec notre partenaire sauver le campagne printemps. Donc, pour demain, Kabel nous a fait manger. C'est depuis aujourd'hui pour nous commencer à mettre des graines dans la terre pendant la pluie commence à tomber. Oui. Pour demain, Kabel. Fuck demain, belle. Allez tout le monde, nous va continuer à parler de tout sujet ça qui est très important pour nous dans la prochaine émission. Bye bye. Pour demain, Kabel. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler de une série de questions tant coup environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, ah oui, pour nous travailler pour nous. Alter Radio. Émission pour demain, Kabel, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. L'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée frais. Thank you.
En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aimerait pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu as à le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça a une classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la sentie, ben on dit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, faut qu'on prise en charge. Un nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, ouais, c'est celle qui a aimé qui mis sous pied que pas tombé. Le régime côté nos sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen d'information. Partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Coutez Alter Radio sur internet, connectez sur TuneIn ak Zeno. Coutez. Abonnez. Partagez. Moi c'est Tamara Suffren. Qui t'aime faire un petit chita parler avec nous sur façon pour nous traiter livre unique ak cahier exercice élève premier ak deuxième année fondamentale yo pral recevoir gratis ti chéri nan men l'état haïtien à travers ministère éducation nationale. Là nous recevoir livre là ak cahier exercice là pas jambe écrit nan livre là. Fait tout ça nous capable pour nous pas chiffonner livre là. Éviter sale livre là, éviter mouillé livre là. Toute précaution ça yo a permettre yon lot élève joindre occasion servir ak même livre ça dans yon lot année. Et c'est ap yon bel geste l'amour ak solidarité envers élève k'ap vini aprenn yo. Ajoutez sous ça, recyclage livre yo a permettre ministère éducation nationale faire moins dépenses dans année k'ap vini yo pour acheter livre. An prend soin livre nou yo pou nou ka bay plis élève premier ak deuxième année fondamentale chance joindre livre pa yo. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Dr Gary Conille nommé Premier ministre de la Transition. Le Conseil présidentiel de transition dresse déjà un premier bilan de ses actions. Arrivée d'un lot de matériel et d'équipement pour la PNH. Et puis, plus de 216 000 Haïtiens ont été forcés de retourner en Haïti en 2023 selon l'OIM. Le Conseil présidentiel de transition a désigné mardi après-midi Dr Gary Conille au poste de Premier ministre de la Transition, marquant ainsi une étape cruciale dans la stabilisation politique d'Haïti. Cette décision prise à l'unanimité par les 6 membres présents du CPT est annoncée par Fritz Alphonse Jean, président conseiller, informe hpninfo.com. L'absence de Laurent Saint-Cyr, représentant du secteur privé, n'a pas empêché la nomination de Gary Conille soutenue par un consensus clair. Né le 26 février 1966 à Port-au-Prince, Gary Conille est un médecin de renom et un homme d'État expérimenté. Il a déjà occupé le poste de Premier ministre d'Haïti du 5 septembre 2011 au 16 mai 2012. La nomination de Gary Conille intervient à un moment critique pour Haïti. Le décret régissant l'organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition a été publié dans le journal officiel de la République Le Moniteur, établissant un cadre juridique pour les actions du CPT. Le Conseil présidentiel de transition fait son bilan. En effet, le conseiller présidentiel Leslie Voltaire a présenté un bilan de toutes les avancées du CPT depuis sa nomination jusqu'à date, lit-on sur vanbefinfo.com. Il s'agit entre autres de la prolongation du mandat de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de la prolongation du mandat du comité de passation de marché, du processus de la nomination d'un premier ministre, de la réalisation de deux conseils des ministres, du rétablissement de l'état d'urgence, de la célébration de la fête du drapeau et de l'université, du renouvellement du mandat du premier ministre jusqu'à l'installation du nouveau premier ministre, de l'étude d'un plan de nettoyage général dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, de l'étude de réparation des rues dans la capitale et de la préparation de la saison cyclonique. Selon Voltaire, le CPT intensifie ses démarches afin d'exécuter les grandes lignes de sa feuille de route, telles que l'établissement d'un gouvernement, la mise sur pied d'un organe de contrôle du gouvernement et la création d'une conférence nationale. Aussi, l'architecte a tenu à rappeler que les tâches sont reparties entre les membres du